L'euphorie fut de courte durée. Interceptés par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Mihiel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Mihiel. Une opportunité que Karl décida de saisir. Bonjour à tous et à toutes, c'est Besti et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Soldats Inconnus Mémoire de la Grande Guerre sur PS4. Donc on est au chapitre 4, le dernier chapitre de ce jeu. Donc voilà, on retrouve Karl qui a été enrôlé encore une fois de plus dans les troupes allemandes et on doit aller rechercher notre uniforme. Alors, donc, qu'est-ce que... Voilà, des nouveaux faits, c'est ça que je voulais chercher comme mot. Saint-Mihiel occupé. Saint-Mihiel est occupé par les Allemands dès septembre 1914. C'est une position importante car elle forme un saillant dans la ligne de front et qu'elle occupe l'utilisation du rail entre Paris et Nancy. Plusieurs tentatives seront menées en vain par les Alliés jusqu'à l'arrivée des troupes américaines en 1918 qui reprendront la ville. Toujours plus de gaz. Les gaz de combat utilisés pendant la guerre sont plus lourds que l'air et descendent dans les tranchées et les tunnels. Des nappes peuvent stagner dans les creux du champ de bataille, forçant les soldats à garder leurs masques très handicapants. Aujourd'hui encore, des obus à gaz non explosés hantent les anciens secteurs du front. Voilà, donc pour ceux qui habitent Saint-Mihiel, vous êtes dans la merde, hein, parce que si vous marchez un jour dans la cambrousse et que vous tombez sur une mine de gaz, vous êtes dans le caca. Alors, j'ai besoin d'un uniforme, d'un casque et de mon équipement. Ok, c'est parti. Voilà, donc le but de ce chapitre, c'est de trouver notre équipement. Avec toujours des objets à récupérer. Donc on est au dernier chapitre, il y aura encore 3 vidéos je pense pour finir le jeu. Ah, donc le chien a retrouvé son maître. Indique-moi le chemin, mon ami. Ah, on a des nouveaux entrées pour le journal. Alors, mais que s'est-il passé au camp de prisonniers pour qu'ils aient descendu mon Karl, maudit de cette guerre? Comment trouve les mots pour dire à Marie que Victor grandira sans père? Ça, je crois qu'on l'avait déjà lu, ça aussi. 3 février 1917, par miracle, j'ai croisé Karl vivant. Quelle fuite intelligente, habillé un cadavre avec ses vêtements, ça a marché. Nous avons franchi les lignes et nous étions si près du but. Il va bien falloir qu'il me laisse sortir de l'infirmerie. J'essaierai de trouver la ferme de Marie. Karl, lui, est retenu à la caserne, il le suspecte de trahison. 2 mars 1917, ah non. 18 janvier 1917, j'allais abandonner ce matin, mais j'ai vu Anna, elle m'a encore sauvé, nous faisons route vers Saint-Mihiel, mais mes pieds se reposent enfin. Je ne sais pas comment nous franchirons les lignes du front, mais je connais bien ces collines, je trouverai un moyen. 2 mars 1917, combien de fois vais-je devoir dire que je ne suis pas un espion avant qu'il ne me croie? En plus, avoir servi pour Von Dorf n'arrange pas mon cas. Si seulement je pouvais voir Marie et Victor juste une minute, savoir qu'ils sont sains et saufs, mais pour ça il faut que je sorte. Voilà. Hop, on continue. Oui, c'est par là, je sais, mon ami. Tac. Donc, faut que j'aille en haut. Ah, là, j'ai besoin d'un uniforme, ok. Encore en haut. Ah oui, alors là, c'est pour le casque, mais là, il me faut une combinaison. Tac, merci de me laisser passer. On va se changer. Tac, voilà. Et on récupère le premier élément qui est tout à droite. Hop. Donc qui est une plaque allemande 1916. Cette plaque d'identification contient une partie détachable qui reste avec... l'état-major pour enregistrer le côté administratif de la mort. La partie principale reste sur le cadavre, ce modèle est mis en service fin 1916. Ouais, c'est un petit peu pourri comme modèle, excusez-moi de dire ceci. Ah, on t'appelle. Oui, je sais, j'ai besoin d'un casque et de mon équipement. Merci bien. Voilà. Non, j'ai pas besoin d'un 10. Ça, c'est chiant parce que vous avez pas besoin d'un 10, mais il vous l'affiche quand même, donc...
Merci. Ah non, non. Là, j'ai besoin de la combinaison. Tac, tac, tac. Voilà, je peux passer, merci. Ah oui, alors là, il me faut les clés pour en haut. D'accord. Sauf qu'on va attendre un peu. Alors là, en fait, vous avez un truc. C'est un drapeau où, en fait, sur le drapeau est marqué la combinaison. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, vous prenez une pomme et vous allez tout à gauche. Pourquoi ? Parce que vous allez récupérer donc le deuxième élément. En lui donnant une pomme, hop, il nous donne le deuxième élément. Tout simplement. Donc, la Gazette des Ardennes. La Gazette des Ardennes est un quotidien publié en Belgique et distribué en zone occupée par les Allemands. C'est un outil francophone de propagande allemande qui vise à informer la population des zones occupées et les camps de prisonniers des faits d'armes des empires germaniques et austro-hongrois. Soit. Je suis en train de voir le troisième élément. D'accord, ok. Alors, on reprend une pomme, parce qu'on en a besoin. Et, hop, on va revenir là. Alors, en fait, le truc, c'est que... on va faire sonner la cloche. Donc le mec va venir. Là, on fait tomber la clé. Et on demande à Poil d'y aller. Non, rien du tout. Allez, allez. Ici au pied, là. Hop. Merci pour les clés. Salut. Voilà, voilà. Donc on revient en haut, ici. On peut ouvrir. Alors, donc le code, on va récupérer notre casque déjà. Voilà. Et alors le code, il est là. Vous le voyez, 2, 1, 3. Donc là, vous avez d'autres petites choses, etc. Donc le drapeau, il est là. Donc on va falloir qu'on aille le mettre. Tac. 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 Et hop. Voilà, donc là, on met le drapeau. Donc on va le hisser tout en haut. Voilà, et on va remonter. Donc c'est très simple, hein, pas de difficulté à ce niveau-là. Tac. Voilà, et normalement là on va avoir le code, voilà. Alors faut bien se mettre, attention, parce que sinon ça ne marche pas. Donc le premier c'est 8, le deuxième c'est 1, et le troisième c'est 5. Donc 8, 1, 5. On va tester ça. Tout de suite. Hop, alors 8... 1, 5. Voilà. Alors là, on a le troisième élément qui est juste ici. Hein. Attention à ne pas le rater. Baïonnette française cassée. Contrairement à la baïonnette allemande, la baïonnette française est une aiguille très pointue qui doit transpercer les ennemis et passer entre les côtes. Pour provoquer de graves blessures internes, certains font des entailles latérales sur les baïonnettes. D'accord. Et on récupère notre équipement. Voilà. Donc là, on est prêt. Alors, je regarde juste le prochain élément. Où est-ce qu'il se trouve? Oulala, ah oui, alors là, ça va être chaud. Ok, bon, on peut y aller. What? Ils nous envahissent. Ah ouais, ils envoient du gaz aussi. Oh merde! Non, pourquoi? Oh, le boulet! Ouais, donc faut courir, évidemment, faut esquiver les missiles, hein. Pas comme j'ai fait. Tac. Allez, Walt, faut que tu viennes avec nous quand même, parce que sinon, là, t'as un problème. Bon, bah le monsieur il est mort, hein. On peut plus rien faire malheureusement. Et on continue à avancer. Tac. Voilà, donc là on se retrouve à nouveau sur le champ de bataille. Et on avance. Ah, il monte tout seul, ça va, il est intelligent. Alors là, il me semble qu'il faut que j'aille chercher un masque à gaz. Ah non, faut que je descende, voilà, c'est ça.
mais je crois qu'il me faut un masque à gaz. Ah ok, t'as pas envie d'y aller. Tac, voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais il faut le masque à gaz. Alors, on récupère l'élément qui se trouve juste à droite. Hop, flasque, petite flasque qui tient dans une poche de chemise. Les flasques de ce genre étaient souvent remplis d'alcool fort pour donner un coup de fouet avant d'affronter une situation critique, ou pour se réconforter d'être encore en vie après une émotion vive. Voilà. Ensuite, le prochain élément, je suis en train de voir. Ah bah d'accord, ok. Ouais, il est tout prêt. Hop. Yep. Tac, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, alors là, faut que je recule. What? D'accord, mais comment je... là, je suis perdu. Ah oui, faut que je fasse ça, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ah bah, faut le savoir, ça, quand même, hein. C'est chaud, hein. Hop. On a récupéré le masque à gaz, sauf qu'il nous en faut deux. Bah oui, un pour le chien, un pour nous. Donc, on va d'abord mettre celui-là au chien. Voilà. Et donc maintenant il va pouvoir aller nous chercher le nôtre qui se trouve bah, derrière le gaz, hein, souvenez-vous. Voilà. Merci bien. Donc maintenant on peut sortir dehors. Et notre dernier élément se trouve juste là. Hop. Le Stalirachem, je ne sais pas trop, je vais pas prononcer ce mot, ça va être très bizarre. Ce casque lourd allemand est le remplaçant du casque à pointe. Il est introduit en priorité sur le champ de bataille à partir d'octobre 1916. Il est prévu pour protéger les combattants des éclats d'obus et de shrapnel. Beaucoup plus épais que le modèle français, il offre une meilleure protection. Même les oreilles sont à l'abri grâce à son rebord. Mais son poids est beaucoup plus important, 1,320 kg contre 580 grammes. C'est le premier vrai casque lourd de l'histoire. Ça doit pas être pratique quand même. Hop, on continue les poteaux. Ah, là tu n'es pas plus intelligent, donc voilà. Donc là on peut aller en face. Et on va vers Saint-Miel. Tandis que Karl touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. George, le pilote britannique de la Royal Air Force, repérait les positions allemandes pour guider les tirs d'artillerie. Ce jour-là, les Canadiens menaient la charge. Voilà, donc là, vous voyez qu'il parlait de George, hein, le pilote de la Royal Air Force, qui est censé être le personnage, comme je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos, un personnage qui devait être présent dans le jeu. Un personnage en plus qu'on devait contrôler, mais apparemment qui a été retiré. Toc. Ouais, encore. Quoi, non, pas encore. Ah, quelle déception. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, d'accord. C'est un Canadien, d'accord. Ok, moi je croyais que c'était un ennemi, hein. Il avait un uniforme vert, chelou. Ah oui, alors, je vous ai pas lu les faits. Ouais, moi, j'étais carrément parti dans le truc. La côte 145. La côte 145 est une crête à proximité de Vimy. C'est un emplacement stratégique de 8 km de long qui permet de dominer les plaines aux alentours. Le 9 avril 1917, 100 000 Canadiens se lancent à l'assaut et s'emparent enfin de la crête. Elle est devenue le symbole pour les Canadiens de leur engagement dans la guerre en tant que nation indépendante. La crête de Vimy leur sera donnée en 1922 par la France et plus de 11 000 arbres ils seront plantés en hommage aux 11 000 hommes qui sont tombés. Donc vous voyez qu'on a que 3 éléments à récupérer. Enfin, normalement, je n'ai pas loupé d'éléments. Quoique, attendez, parce que j'ai regardé, parce que j'ai un petit doute. Est-ce que j'aurais raté un élément? Quoi?
5h30, je t'ai dit! Hop, et apparemment, je n'ai pas d'éléments. J'ai pas raté d'éléments. Alors là, on fait gaffe aux avions. J'aime bien Freddy quand il marche en arrière et regarde en l'air comme ça. Ça, c'est drôle. Oula, d'accord, il y a des canons chelous. Ah oui, alors là, faut savoir les positions exactes des canons. Alors, par contre... D'accord. Alors, par contre, on va passer, voilà, derrière. Et on va aller à gauche, parce qu'à gauche, on a le premier élément. Hop, du chapitre. Voilà. Casque Brody. Le casque Brody est connu aussi sous le nom Tommy ou casque Shrapnel. C'est le casque de toutes les forces de l'Empire britannique. Canadiens, Australiens, Anglais, Irlandais, Écossais, Sud-Africains, Indiens, tous le portent. Même l'armée américaine le commande pour son entrée dans le conflit. Sa forme particulière lui valut de nombreux surnoms tels qu'assiette à soupe ou plat à barbe. Soit. Ok, tac tac. Faut que je fasse quoi, moi, maintenant? Ah oui, d'accord, alors là, je peux voir... ok. Je peux voir où sont les trucs. Sauf que je me rappelle plus trop comment on fait pour jauger la distance. Là, il doit être à 10. Oui, d'accord. Là, il doit être à 10. Sauf qu'à 10, comment tu fais pour jauger? Ah bah voilà, tout simplement, ok. 20, 5, 10. Par là, là. Allez, tiens dans ta face, toi. Et de 1. Hop, le deuxième. Donc ça. Alors, le deuxième, il est à 65, je dirais, non? Ouais, c'est ça, il est à 65. Ok. Merde. Où est-ce que tu allais, Freddy? C'est pas bon, ça. 65. 65. 70, 65. Et voilà qui est fait. Quelle puissance, les amis. Alors, je suis en train de voir le deuxième élément qui n'est pas très loin, encore une fois. Ok. Alors, j'aimerais bien revoir Freddy courir comme ça, voilà, en arrière avec... il lève la tête, hop. Ouais. Ça fait toujours rigoler, ça. Même au ralenti, il court bizarrement. C'est trop drôle. Alors, on avance, on fait bien gaffe surtout, voilà, aux missiles qui tombent. Au chemin déblayé. Le scratch d'un avion. Ah, mais c'est Georges. Pas. Alors. Donc là, on doit encore utiliser le canon. Je peux pas aller là. Ok. On va aller en bas. Parce qu'en bas, qu'est-ce qu'on a? Notre deuxième élément. Tac. Hop, qu'est-ce donc? Pièce canadienne, les 100 et les dollars sont déjà en place. En 1914, ils sont à l'effigie du roi George V. Les Canadiens en France touchent une solde de 1,1$ par jour. A l'époque, cela correspond au salaire moyen d'un employé de bureau ou d'un ouvrier journalier. Ok. Là, il n'y a rien. Et là-bas non plus. Ah, ok, il nous faut une manivelle. Hop. Ça ferait une très bonne manivelle. Voilà, par contre je sais pas ce que ça fait. Je sais pas pourquoi il fallait activer ce truc là. Je suis en train de voir le dernier élément. Il est. Ah, je l'ai pris là, ok. D'accord, en fait ça a soulevé le canon. Sauf que... Je dois tirer où? Ah, là je dois tirer. Ok, ah non, un peu plus à droite. Un peu plus vers le bas.
Un peu plus vers le haut, ok. Plus vers la gauche. Gauche. Ok. J'aime bien ce genre de truc où le mec il nous dit un peu où on doit tirer. C'est pas mal comme truc. J'aime beaucoup. Voilà, on a encore fait ça, on continue. Ah, Freddy le surhomme quoi, le gars il peut tout faire, tout seul hein, d'ailleurs. En avant, chargé. J'aime bien les Canadiens. Le Canadien il se bat avec une canne quoi. Alors normalement on est avec des fusils, des bombes et tout, non lui il est avec une canne. Normal quoi. Moi je danse. Oula, oula. Ah oui, d'accord. Ah ouais, alors là faites gaffe parce que le truc, vous voyez, il se renverse. Donc allez pas à fond, sinon vous faites écraser. Hein. Ah oui, alors. Il y a l'autre qui tire. Attendez qu'il arrête de tirer, hein, sinon vous mourrez. Ah, là on avance. Ah, Georges s'est fait descendre. Enfin, je sais pas si c'est Georges, en fait. Georges, on le voit pas trop. Ouais, t'es déjà là toi avec ta canne? Putain, tu vas marcher vite, hein. Regardez là avec sa canne comme il fait pitié lui. Hop. Donc là on va en arrière. Et on doit... Ah merde, c'est un allemand. Oh, fait chier quoi. Ah ouais, mais vous avez tous le même uniforme kaki bizarre là. Tiens, voilà. Ok, ouais, donc je peux tirer avec quoi, j'imagine. Hop. Et donc là on peut passer. Ok, et on est quasiment à la fin du chapitre d'ailleurs. Bonjour messieurs. Donc le dernier élément se trouve ici. Tac. Qu'est-ce donc? Maquette de la colline. Maquette de la colline disponible pour les soldats afin qu'ils puissent tous voir les objectifs à atteindre en 3 dimensions. C'est une des nouveautés apportées par le général Bing. Ok, merci. Merci général. Et donc on va finir ce chapitre et cette vidéo et on se retrouve bah, après, enfin pour la suite. Alors j'aime bien, vous avez vu le bug? J'ai tiré une corde qui était invisible. Et bon, c'est pas grave. Tant de sacrifices, les Canadiens étaient parvenus à reprendre la colline aux Allemands. L'entrée en guerre des États-Unis était incertaine. La victoire de Vimy fut décisive pour faire pencher la balance du côté des Alliés. Dans sa dernière lettre, le jeune frère de Freddy lui confirma que les États-Unis avaient enfin choisi leur camp. Karl n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de son but lorsque le son de l'aviation française résonna dans le ciel d'avril. Et voilà, sauf que, comme j'ai dit, ça sera dans une prochaine vidéo, les amis. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et, moi, je vous retrouve donc pour la suite de Soldats Inconnus. Prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao, ciao.